Yo tout le monde, c'est Matt. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo ouverture. Donc, je vous l'avais annoncé sur la chaîne lors de la précédente vidéo. Donc, c'est une ouverture de display de Lune et Soleil Ultra Prisme que je viens juste de recevoir. On peut voir les illustrations. Donc, là, on a Giratina. Sur le côté, on a Philali. Et derrière, Ultra Solgaleo et Ultra Lunala. Donc, on va lire ça juste après l'avoir décelé. Donc, c'est parti. Hop. Alors, c'est la première fois que j'ouvre une display. C'est aussi la deuxième fois que je vois une display. Je n'avais jamais vu avant. Donc, à part celle que j'ai achetée il y a pas très longtemps en brocante. Celle d'étincelle. Donc, une nouvelle dimension inconnue. Traverser l'ultra-brèche vers un univers Pokémon nouveau et étonnant dans lequel étranges scènes semblent si familières et de nouvelles puissances font surface. Assister à la montée en puissance de Necrozma et admirer de toutes nouvelles cartes Prisme qui vont avoir un effet impressionnant sur le jeu. Rencontrer Dialga GX et Palkia GX ainsi que d'étranges ultra-chimères et d'intrigantes nouvelles formes de Pokémon légendaires d'Alola. Explorer une nouvelle dimension avec l'extension Ultra Soleil, Lune et Soleil Ultra Prisme du JCC Online. Hop, et au-dessus, pardon, on a Lunala. C'est parti. Donc il y a 36 boosters. On va se faire une moitié et une moitié. Hop. Ultra Prisme. Super. Hop. Alors, on a Philali, Giratina, Ultra Lunala et Ultra Solgaleo. C'est parti, je suis bien impatient d'ouvrir tout ça. Donc ça sera en deux parties. Alors, Riolu, Tortipus, Tritox, Evoli, Mustebouet, Énergie Métal, Mars, Locpin, Manaphy, Farfuret en reverse, et on commence avec la première rare, un Tarambule. Du coup, elle me suit partout, cette Tarambule, même sur le jeu JCC Online. À la recherche du Dracaufeu, elle me suit partout. Ok, donc pas d'holo, juste une simple rare. Peut-être se spoiler tout de suite. Hein. Alors, Hippopotas. Alors évidemment, le but, c'est de choper la gold. Hein, gold Lunala ou Solgaleo. Donc, Baudrive, Chaglam, Vortante, Énergie, Combat, Cristal Antique, Chériflore, Argoust, Drascoran en reverse, qui est pas mal du tout. Et Motisma Hélice. En simple rare. Bon. Pour le moment, c'est pas fameux, hein. Bon, on aura encore de la marge, j'ai envie de dire. Allez, c'est parti, troisième booster. Lixi, Topikar d'Alola, Goupix d'Alola, Evoli, Cradopo, Énergie Feu, Room Feu, Terminal de Commande, Grodrive en reverse et être en en holo cette fois. Très sympa. J'adore vraiment l'holo des Soleil et Lune. Bon, deux fois la même carte par contre, ça c'est un peu abusé ça dans les mêmes boosters. Alors, Quatermach,
Tritox, d'accord. Tiplouf, Topicœur Lalola, Riolu, Énergie électrique, Magneton, Spiriton, Triopicœur Lalola, Lydie en reverse et Givrali GX. Voilà, la première GX qui tombe. Une évolution. Du cadrage hein, plutôt pas mal. Mettre ça sous pochette. Hop. Super. Ah voilà. Et on recommence. Hop. Allez. Wistikram, Roselia, Greenot, Archeomir, Yanma, Énergie O, Fan Club Pokémon, Karmash, ah, donc on pourra peut-être trouver un Karchakrok, Chimpanzé, ah c'est une reverse, la prime, la prisme est une reverse, bon bah Darkrai prisme, trop sympa. Au début quand j'ai vu ça je pensais que ça allait ressembler un peu au Star. Mais en fait, non, c'est vraiment un truc très très commun, on va dire. C'est, je mets ça entre les guillemets. Et Torterra en holo. Super. En tout cas, je trouve les prismes sont vraiment sympas. Hop, pareil. Petite pochette. Il y en a qui disent que c'est comme des ultras, mais étant donné qu'on les a dans des reverses. Alors, Magneton, Mustegoué, Magneti. Non, si, Magneti, d'accord. Pardon, 9-9, Lixi, Énergie Métal, Trèfle Manquant, Manaphy, Lily, Énergie Unitaire, en reverse, et Drascore, en simple rare. Alors, Tiplouf, Cerebou, Rapion, Manglouton, Pachirisu, Énergie, Plante, Archéolong, Tanguy, Cusmobom, Manaphy en reverse et Tocopion en simple rare. Décidément, on n'a que des simples rares. Hein. Alors dans la logique, on a, j'aimerais bien tomber sur une GX maintenant. Non, c'est pas mal. Yama, Pachirisu, Grignot, Archeomir, Kralopo, Energy Psy, Fan Club Pokémon, Kranidos, Goroutan, Shenmin en reverse et Motisme Lavage. Super. Bon, ça me fait deux Motisma, Motisma Hélice et Motisma Lavage. Hop. Alors, le fouette, Araquois, Greenot, Cornel, Lizzy, Énergie Obscure, Mustéflotte, Trèfle Manquant, Boumata, et partout. Riolu en reverse et Shaymin. En simple rare, super nul. Hop. Il nous reste encore pas mal de boosters avant la fin, donc ça va. Greenot, Archeomir, Yama, Lixi, Topicœur Lalola, Énergie Métal. Registre d'amis, Mouflair, Flo, Cradopo en reverse et Goodlong en simple rare.
Pour le moment, j'ai vraiment, vraiment pas de chance. C'est parti. Magnéti, Farfuret, Topicard d'Alola, Magmar, Manglouton, Énergie Pierre, Lily, Magnéton, Registre d'Amis, Baskara en reverse et. Quoi? Magerna en simple rare. Il y a quand même 156 cartes à collectionner, c'est énorme. Donc ça compte évidemment pas les secrets, donc c'est quand même énorme. Je crois que les secrets ça va jusqu'à 170. Un petit GX, pas le cas au Dialga, au moins pour sauver l'honneur. Alors, Manglouton, Rapion, Pachirizu, Wistikram, Roselia, Energy Psy, Brome Électrique, Belladonis, Yann Mega, Coatox en reverse. Ah, celle-là, je la connais, mais sous une autre forme. Et Kachakrog, bah tiens, on en parlait tout à l'heure. Ah, décidément, voilà. Je suis un peu déçu. Hein. Il me semble que j'ai senti au toucher la dernière, elle a l'air d'envoyer du lourd celle-ci. Alors Lixi, Quatermac, Hippopotas, Lapore que je n'avais pas encore vu, Siribou non plus, Énergie O, Gouroutan, Sifflet, Belladonis, Musteflotte, Archéomir en reverse et. Ah je l'avais dit, Califère, GX. En full art. Bon, super, j'ai un poteau électrique, parce que j'ai horreur des nouvelles chimères, je trouve ça vraiment dégueulasse, on va pas se mentir. Elle a l'air... Ouais... Au niveau du cadrage, j'ai un doute. Enfin bon, je vais pas de gradé de PSA. Bon, c'est pas grave. Bon allez, il nous reste 4 boosters. 5, pardon. En espérant avoir du lourd. Juste avoir la gold. Rien, après les os, je m'en fous. Alors, Greenot, Cornèvre, Blitzy, Tiplouf, Seribou, Énergie Plante, Montcouronné, Motisna. Ça me rappelle vraiment la 4G, c'est vraiment top. Roselia en reverse et Cresselia en holo. En holo. Elle est vraiment belle celle-ci. Pokémon Lune. Allez, qu'on pioche la gold. Shaglam qu'on n'avait pas encore vu. Blitzy, Magnéti, Cornèvre, Vortante, Énergie électrique, Triopica d'Alola, Énergie unitaire, Printouf, encore Printouf en reverse et Motisma Chaleur. Bon, écoutez, au moins je me tape tous les Motisma. Au moins il n'y a pas de double sur les Motisma. Pododo, il me semble qu'on n'avait pas encore vu. Electek non plus. Torticus non plus. Celui-là non plus. Celui-là non plus. Énergie fait. Luxio non plus, on n'avait pas vu. Skateboard, évasion. Cornèvre. Motisma la vache en reverse. Et. Ouf, une Rambo. Voilà. Une Rambo GX Philali. C'est la première que je sors. Depuis que Cassel existe, c'est la première Rambo que je sors. Vraiment top. Cadrage est pas mal non plus, j'ai l'impression. Vraiment top, top. Mettre ça, pareil. C'est une petite pochette. Hop. Bon, du coup, je m'attends pas à avoir la gold. Hein. Si franchement j'ai la gold, alors la gold plus secrète comme ça, alors là. Mon dieu, c'est la meilleure display. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Tiens, si je sors une autre ultra. Alors, excellent. Bien. C'était excellent cette ouverture, justement. Naneuf, Cosmog, Spododo, Baudrive, Énergie Feu, Cimetia, Boscara. Skateboard d'évasion. Giratina Prisme. Bah en fait, c'est considéré comme des rivers ou des ultra G, je sais pas. Enfin bon.
C'est bien joli. Et Tibio. On s'en plaint. Hop. Pareil, petite pochette. Et notre dernier booster de notre première partie. Excellent, une nouvelle fois. Forfuret qu'on n'avait pas vu. Wistikram qu'on n'avait pas vu. Magmar qu'on n'avait pas vu. Il y a beaucoup de doubles, j'ai l'impression. Enfin, des doubles illustres. Dino plié non plus. Lockpin. Ingénieur titère. Ah quoi, en reverse. Et la dernière. Et les câbles. En simple rare. Donc voilà, donc pour résumer cette première partie, on a quand même eu pas mal de petites choses. Donc, 3 GX, dont 2 Rivers, donc Dark Ray. Hop, donc Givrali GX. Philali en secrète GX, qui est la numéro 157 sur 156, donc c'est la première secrète en plus. Cablifère en full art. Et voilà. Donc voilà, ça c'est pour la première partie. On se retrouve pour la deuxième partie.